Mickaël, bonjour. On est là. Tonnerre. Et Walter. Et pas là. Ouh, il est allé au concert. Ah, le fragile. Bon, où on est aujourd'hui? On est à Genet. Genet, c'est à côté de Lyon. On va faire une course de 15 km qui s'appelle la Ghana Trail, qui va se faire en nocturne, d'où notre équipement. Et qui va être pour Arnaud et pour moi, parce qu'on est, un peu sérieux, pendant que d'autres, voilà, sera une prépa à la Saint-Élion qui aura lieu dimanche, enfin samedi de nuit et course dimanche. Donc ça va être un peu une vidéo de test du matos. Et pour Fabien, bah, parce que c'est pas que un fragile, il est aussi là sur des courses. Donc voilà, voilà le début. Il y a Anaïs et Alexis, nos deux supporters de choc qui sont là, qui ont bravé le froid et pour ça on les remercie. Et on doit retrouver normalement Christian qui est arrivé pas avec nous mais qu'on retrouvera et probablement en fin de course. Voilà, à plus. Voilà, exceptionnel, attention. Bon, le premier c'est pas moi hein. C'est qu'en fait, avec des blessés, ils ont fini à deux, les gars. Il est 18h59 et quelques secondes, dans moins d'une minute, le départ de ce grand parcours du Ghana Trail des Lumières 2022. Est-ce que les spectateurs et les coureurs des petites distances vous... Allez, on fallait y arriver, c'est fait. On va rater le départ, t'es en train de papoter. La France a gagné. Ouais. Les vrais supporters. Bravo, merci. Ah. Le prochain vol pour... Merci gars. Merci, bravo à vous. Madame, je veux des applaudissements. Merci. Ah, il faut... Tu vas trop vite en fait. Ouais. Bravo. Et tu te mets les pieds dans l'eau. C'est vrai. Ouh, je regarde où je mets les pieds parce que... Ouh. Allez, vous êtes filmés. Merci. Merci. Ouh. Hop. Je sais pas si on y verra quelque chose, mais on a une jolie vue sur Lyon. On est au, je sais pas, à peu près 5e kilomètre. Et ça va. Moi je suis parti vraiment vite. Et Fabien il a tracé. Et Arnaud il se permet de nous doubler quand il veut.
à son rythme. Et puis voilà. Alors pour garder un minimum de dignité, j'ai pas filmé cette montée d'escalier. Mais c'était très dur. Accroche-toi, tu es presque. Hein? Non. Bravo! Ça chante pas bien fort. Allez, il nous reste 2 km à peu près. J'ai la descente, maintenant ça va être tranquille. Merci. C'est pour ça que je vais pas la prendre. Magnifique. Merci. C'est moi qui suis magnifique. C'est moi qui suis magnifique. Allez, on arrive. Fabien est arrivé, il nous a mis une mine. Mine dans la descente. Ouais. Du Crédit Agricole, le Crédit Agricole, partenaire majeur de ce de la Trail des Lumières. Ouais, Christian. Alors, on va attendre les derniers concurrents, mais je voudrais qu'on remercie. Une nouvelle fois, ceux qui nous ont accompagnés pour cette remise des prix avec Madame Gilles. Fabien nous a mis la mine à tous. Oh là là. Les valeurs de l'Ovalie, le rubis. Rubis, c'est la veine, c'est les bras, c'est les moules. Bon, Fabien nous a mis la mine. Arnaud. J'ai géré, tranquillement. Ah ouais. Il parlait avec moi, il était tranquille, accéléré, il reculait. Il a fait sa course tranquille et moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais comme d'habitude, hein, le gros, il a souffert. Hein. Alexis, Anaïs. Merci aux supporters. Ah ouais, merci supporters bien, de ouais. Choc, hein. Parce qu'il faisait pas chaud aujourd'hui. Et... bon, super course, belle orga. C'était joli, je sais pas ce qu'on donnera les images à la caméra. On a croisé Christian sur la fin qui a gagné en 1-16. Il a fini premier de sa catégorie, 68 ans. Respect. 68. Ouais. À la prochaine pour quelque chose de bien piquant aussi. Ciao. Ciao. À bientôt.